Après un camp d'entraînement et un premier match de préparation à Roanne annulé à cause des intempéries, les Falcons de Villeurbanne recevaient le 17 novembre les 45e de Châteauneuf-du-Rhône au stade des Peupliers de Villeurbanne, dans le cadre d'un entraînement commun suivi de mises en situation spécifiques qui seront bénéfiques aux deux équipes une fois la saison entamée. L'après-midi a également servi aux arbitres de toute la région d'exercer leurs apprentissages dans le cadre d'une formation spécifique aux matchs d'élite et de D2. La journée a été bénéfique aux deux équipes. Les 45e s'imprégnant d'un entraînement conduit par une équipe avec de l'expérience en élite, et les Falcons profitant du style de jeu très physique d'une équipe dont la philosophie est de dominer par le jeu nord-sud. Les mises en situation ne reflétant pas un match dans son ensemble, impossible de parler de score, mais on notera de très belles actions de part et d'autre, notamment ce touchdown marqué par Vivien Villard, aidé par une ligne offensive assurée. La journée s'achève dans la bonne humeur malgré le froid et le mauvais temps, et le format semble avoir suffisamment plu pour être reconduit à l'avenir. Pour les seniors, le prochain rendez-vous sera le samedi 30 novembre avec la réception à 19h des Giants de Saint-Étienne au stade des Peupliers. Mon Dieu !